voilà. Putain, je me referme même pas ici. Ok, ensuite il y a le plancher pointe et arrière qui sont ultra compliqués. Je peux pas faire ce soir. Ok. Bah après j'ai pas trop de bah après j'ai pas d'idée. Une fois qu'il y aura le sol là, il faudra voir pour une cabine de capitaine style. Est-ce que je la fais direct coller au bord ou pas? En fait, non. Ça, je fais des rambardes autour. Hein. Ah, le problème, c'est que là, la cabine, elle va être droite. Si j'aurais voulu faire un arrondi ici, on n'est pas sur The Forest, en fait. On est sur un jeu de merde où... Ça y est, t'as ta grille? Bah, tu vas pouvoir lui obéir comme un bon toutou. Mais c'est de la merde. J'aurais dû anticiper une grille arrondie ici pour me dire « À l'avenir, je ferai bah, te faire foutre !» C'est hallucinant, faut tout prévoir à l'avance, quoi. Du sol, tu prévois la pointe de ton église en haut, quoi. Non mais what the fuck, trop relou. Là, comme ça, je fais un balcon, là, genre, ou terrasse, ou putain, ça va être le bordel, ici. Je sais pas, on verra ce que ça va donner, et puis voilà, quoi. C'est problématique parce que ce carré, je pourrais pas, tu sais, style hop hop paf, je le ferme, mais il est pas au même niveau que les autres, en fait, c'est de la merde. Et puis là, bah là, je pourrais faire, ouais, un carré là, un carré, et puis, bah, ouais, super, youpi, quoi. Ça va être la merde. Tu vois, je me fie à ces poteaux là, pour aller au-dessus. Ces poteaux, ils vont rester de toute façon. Vas-y, lève-toi. Ouais, d'accord, mais il me faut le... Il faut le poteau de là. Et en plus, il faudrait le poteau de là-bas. Après, ce poteau-là, je peux le faire venir en faisant ça. Alors, soit tu te lèves et tu coupes un quart, soit tu coupes un quart, en fait. C'est tout de suite ou maintenant. Voilà, c'est bien. Obéis, connard. Là, je peux peut-être passer en faisant le quart, là, voilà, avec le quart, ça passe. Lève-toi, putain. Il est chiant, ce jeu. C'est vraiment nul à chier. Hein, tac-tac, je monte le poteau, et ça, c'est le poteau qui est aligné à ce poteau-là. Et dedans, il faudrait aussi le poteau de ici. Mais lui, il peut pas rester. Lui, je vais devoir le faire enlever avec des poutres en treillis pour enlever le poteau de là et pouvoir le plancher au-dessus. Ok. Ok, j'ai capté. Ça a l'air ultra... Okay. Ah, je peux même faire ça, attends. Mm-hmm.
Est-ce que j'ai mis les deux poteaux? Ouais, j'ai mis les deux poteaux. Okay. Et du coup, ça... ce serait pour le truc d'après et tout. Ok, sort d'ici. Heureusement que j'ai pas fait les murs. Hein. Sinon, j'aurais jamais pu sortir d'ici. Pas d'écart en fait, mais on va prendre le demi, c'est mieux. Ça passe aussi le demi, non? Ah, il te faut absolument un quart. Ah ouais, d'accord. Faire mieux niveau que les autres. Voilà. Ça, j'en ai pas besoin. Là, tu mets la barre. Voilà. Du coup, il faut un demi. Époque. Époque. C'est fou parce que t'es bloqué. Il est baissé, bloqué, il peut pas sauter. Mais par contre, quand tu spammes les touches, là ça fonctionne. Ce qui veut dire qu'il peut se débloquer. Donc pourquoi il le fait pas? Putain, mais c'est un truc de fou. Eh, hey, Night Games, ça vous dit pas d'arrêter de coder de la merde, la hitbox de votre personnage là? Ça vous dit pas de. C'est pas quand il est baissé qu'il reste phasme. Plutôt qu'une boule de merde là, parce qu'il bloque comme un étron. Alors là, il faut ce poteau, ok, pour mettre cette barre, ok, et pour mettre le demi dessus, bonne chance connard. C'est pas grave, mets un poteau là, c'est pas grave, mets un poteau, y a pas de poteau là, tu sais pourquoi y a pas de poteau là? Parce que la barre, elle est pas montée comme il faut. Elle est juste posée en travers. Donc, je peux pas mettre le poteau. Donc, merci. Voilà, mais j'ai un poteau. Mais c'est pas celui-là que je voulais comme poteau. Parce que du coup, tu vois, là, je peux pas y accéder. Tu vois. C'est con. Hein. Donc, vas-y, mets un poteau. Pas grave, je vais y aller à abracadabra, ouais, voilà, regarde. Oh, je suis magicien! Voilà, c'est bon, ça marchait, parce que comme je suis magicien. Connard. Alors. Tout ça pour... Non, arrête. Tu mets pas la barre là où je suis. Regarde, là... Tu vois ta flèche rouge de merde là? Eh bah ben, ici tu mets une flèche rouge! Parce que y a la hitbox de l'étron! Y a l'étron sur le passage! Non? Vas-y, mets la flèche en face plutôt. D'abord la flèche en face. Après moi je saute et je pose, tu vois? Parce que moi j'ai un cerveau, contrairement à toi. Ok. Voilà, donc là l'objectif c'est de laisser ces poteaux là, on s'en bat les couilles, ils sont dans le mur qu'on verra pas. Donc hop, voilà, et on enlève même ces bûches là parce que voilà, j'ai envie de les enlever, voilà. Je trouve que ça a une sale gueule. Salut Dark Vicus. Donc on va les enlever ces poteaux, voilà. Parfait. Bouge pas, étron. Saute, et voilà. Attention, étron, saute, étron. Ok. Et là, on enlève cette bûche de merde, là. Voilà. Et là, on enlève cette bûche de merde aussi. Et puis celle-là, parce qu'elle me gêne. Voilà. Et puis t'enlèves celle-là, parce qu'en fait, ces bûches gênent. Voilà.
Et là, là, j'aime pas trop la poutre en treillis qu'on voit pas, mais parce que je l'aime pas, on va l'enlever. Hein, il veut pas l'enlever. Ouais, faut la casser et tout pour décaler le problème. J'ai la flemme. Mais on va faire une sauvegarde et juste parce que c'est un jeu de merde, on va lui enlever. Juste parce que c'est un jeu de merde. Ça aurait été un jeu nickel et tout, qui fonctionnerait correctement, avec des mécaniques qui fonctionneraient correctement, parce que je suis sûr que même quand il sera développé, ça fonctionnera pas correctement, parce que je connais Endnight Game, et Endnight Game, ils adorent avoir une mécanique qui fonctionne de 5 façons différentes, mais pas dans la même journée. C'est-à-dire que dans la même journée, ta mécanique, elle va... Aujourd'hui, elle va fonctionner comme ça. Et le lendemain, elle va fonctionner par la droite. Et le lendemain, elle va fonctionner par la droite, mais avec 90 degrés en plus. C'est bon, ta gueule, quoi. Allez, on va enlever ta merde là. Parce que j'ai envie de l'enlever. Juste parce que j'ai envie de l'enlever. Juste celle-là, poutre en treillis. C'est même pas le poteau là qui me gêne. C'est juste la poutre en treillis. Pour le principe. Pour te montrer c'est qui décide en fait. Voilà. Et tout ce que je viens de faire là pendant une demi-heure et demie de milliards d'années, et bah c'est pour faire ça. Ça doit faire 10 jours pour faire un carré. Et maintenant que j'ai ce carré, et bah tu crois que ça va être plus simple de faire la suite? Et bah t'as raison. Et heureusement, parce que putain, j'aurais pété un câble. Ah, j'ai pas pensé. Ah non, tu peux pas faire toute la suite parce que là, il faut une barre sur la suite du mur en fait. Mais la barre, c'est un con. C'est un con, attends, c'est parce que c'est un con, regarde. Ah non, c'est parce que c'est moi le con, attends, regarde. Hop. Dégage, voilà. C'est parce que c'est moi le con. Voilà. C'est tout. C'est parce que je suis idiot, en fait, tiens. Tu sais, j'ai conçu tout un bateau avec des carrés, mais je suis débile. C'est fou, hein. Qui l'eût cru? C'est bon, ça fait 6 heures de live, j'en peux plus, j'oublie un poteau, quoi. C'est normal, merde. Laisse-moi oublier un poteau. Bon, t'as compris que ici c'est de la merde pour faire ça, c'est chiant. Mais dès que tu arrives à mettre au moins un carré, tu peux en mettre deux autres derrière. Et faudra faire la pointe aussi. Bon, ça devrait être plus simple. Parce qu'il y a des carrés là. Tu vois, il y a un carré là, il y a un carré là. Je sais pas ce que je ferai avec ce carré qui bouche le trou. Je pense que je ferai rien. On verra. Mais si, je crois que je suis obligé de le mettre. Ah putain de merde, je suis obligé de le mettre. Ok, bon, on verra bien. Voilà. Et on se rappelle cet escalier, enfin ce lit, qui finira dans ce mur. Lui finira ici. Son objectif, lui, c'est de terminer ici. Le lore de ce lit, c'est que ce sera le lit de sauvegarde de la coque. Et une fois qu'il sera sous le mur, enfin derrière le mur, et c'est fini. C'est fini pour lui. Il disparaîtra à jamais. Bon, là, faut faire les murs. Ah, t'as compris que je vais raccrocher tous les carrés volants que j'ai faits. Voilà.
Mais pour l'instant, je vais laisser ouvert parce que si jamais j'ai besoin de passer comme ça pour faire, tu vois, dès que j'aurai fini le plancher ici, que j'aurai plus rien à foutre là, normalement, ce sera bon. Et là, il y aura bah, la coque, enfin le cockpit du capitaine, je sais pas moi. T'as tué la musique, c'est ça? Tu l'as canée dans l'œuf? Ah ouais. Bah, tu peux remettre. Tu peux poursuivre la lecture. Je suis pas AFK, t'inquiète pas. Je suis là. Là, je voudrais faire une entrée un peu spéciale, tu vois, parce que c'est. Je sais pas moi, c'est possible. Genre, j'arrive, je fais ça. Je fais ça direct, tac, je fais ça, hop. Ouais. J'ai même une meilleure idée, regarde, hop, je fais ça. Je fais ça. Hop, je fais un truc comme ça. Hop, je fais un truc comme ça. Je fais ça. Je fais ça, et puis. Hop. Et là, je fais. Je fais ça. Part sur une entrée qui est pas centrée du tout, espèce de trou du cul. Mais ouais, je voulais faire un style. Putain, je peux même pas faire un style. Bon, bah on va faire une variante de style. Je sais, il y a des poteaux, c'est pas beau, mais attends, j'essaie de voir ce que ça pourrait donner. Genre ça, tu prends un quart. Ça tombe bien, de toute façon, il me fallait un carré pour faire voler ça, donc bah voilà, t'as tout gagné. Cette perte de frais, j'ai cru source de force. Optimiser ça. Optimiser ça. Ok, d'accord, tu recharges avant de prendre les bûches et tout. Ok. Il a bugué le pistolet ou quoi? Merci. Ouais, je vais faire une entrée. C'est chelou, mais. Attends, attends, c'est pas fini. J'ai pas d'idée en fait, donc je suis un peu en train d'improviser. Comment ça, quand j'improvise, ça fait de la merde? Pourquoi tu fais le résistant comme ça?
Eh mais t'es débile ou quoi, toi? Oh, c'est un carré. Je suis en train de le décrocher du sol. Il vole. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pourquoi tu fais le résistant? C'est bon, il fait le résistant. C'est un ouf. Vas-y, arrête de résister. Putain, mais c'est abusé, ça. Espèce de débile. Enlève ton poteau, là. Quoi? Mais... C'est un carré volant, tu te fous de ma gueule? Je veux juste faire un test. Bah fais pas de test alors, on s'en bat les couilles. Ouais, enlève ta merde. Voilà. Fais pas de test, ça sert à rien de faire des tests. C'est nul à chier hein, de faire des tests. Moi, sans test, j'ai réussi à faire des trucs volants, j'ai réussi à faire un bateau, sans test. N'importe quoi. Okay, bon. On va décrocher ça par ce côté-là. Franchement, quoi. C'est comme si je n'avais pas décroché une plateforme du sol ou quoi. Mais... Eh hey, mais je vais te niquer. Eh hey, mais... Hey. Putain. Laisse-moi sauvegarder, il mérite un truc. Lui, il est tout seul là, ce bug de merde pour un carré volant là. Il mérite une dinguerie que je vais lui faire. De toute façon, ça fait 6 heures de live, ça m'a saoulé. Je vais aller sur Far Cry 5, tiens. Alors, comme ça, t'es un connard qui résiste. T'as envie de voir un super bateau se faire éclater la gueule. Tout ça à cause d'un bug. Bam ! Tiens dans ta mère ! Tiens ton vieux cul dégueulasse, là, qui ressemble à rien, là. Bim ! Non, pas le logac. J'ai fait qu'une seule flèche. Toi, t'as fait 50 000 flèches parce que tu lags. Parce que t'es un connard. Tu vois la différence entre t'es un connard et affiche tes bombes. Bah oui, ça vole. C'est les carrés volants, connard. Ça lag de fou. Alors, tu veux que ça lag encore plus? Si on plantait la partie, bâtard. Tiens dans ta mère, là. Tiens, l'enculé. Ah, ça fait plaisir, hein, bâtard, va. Allez, vas-y, crève en silence. Enfoiré, tiens, mange ton LTF4 dans la gueule aussi. Ce soir, je voulais finir la coque. J'ai fini la coque. Un point, c'est tout.